Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Assetto Corsa Competition. J'essaye de monter mes rangs sur LFM et là on est parti sur le circuit de Zoldern en Belgique de la catégorie GT4, 30 minutes de course, setup ouvert bien sûr. J'ai fait un petit setup comme ça à la va-vite encore une fois. Je rappelle que je roule 20 minutes avant la course, tu vois, à chaque fois je fais des essais, je fais des tours et je règle. Et je peux pas faire plusieurs tours d'affilée comme je faisais avant, parce que à chaque fois je dois m'arrêter, peaufiner le réglage, enfin peaufiner. Voilà, essayer de régler quelque chose d'autre pour voir si ça va mieux, etc. Moi je fais plutôt des setups stables, pour justement que la voiture a moins le cul qui se balade ou l'avant qui part. Je fais des setups stables, j'essaye de faire des setups stables parce que j'ai toujours l'habitude des courses longues. Et j'arrive pas à faire des setups où c'était course sprint en fait. J'arrive pas. Donc du coup, je fais au mieux. Mais je compte sur la régularité. Maintenant, pour faire un bon setup et pour faire une bonne course, il faut quand même s'entraîner un peu plus. Maintenant, j'ai pas le temps, encore une fois, mais voilà, je vais m'atteler à essayer de trouver le temps justement pour m'entraîner. S'il faut, au mieux de sortir des courses tous les jours, des vidéos tous les jours, je sortirai des vidéos tous les 2-3 jours. Donc attendez-vous peut-être à ce que les vidéos soient tous les 2 jours dorénavant. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, parce que je vais sûrement consacrer un jour à vraiment à m'entraîner au setup, etc. sur Assetto Corsa. Sur GT7, bon, m'entraîner aussi également. Et sur LMU également, parce que maintenant, les courses que je fais, c'est des setups ouverts. Il y a Air Factor 2 aussi. Bon, bref. Et c'est ACC, LMU et Gran Turismo sur les principales sources de ma chaîne dorénavant. Donc, je vais essayer de vraiment peaufiner les choses, de faire les choses bien. Bref, on va voir comment que ça va se passer. Nous, on se retrouve sur la grille de départ. On est parti sur le circuit de Zoldern pour 30 minutes de course. En principe, ça fait 19 tours, j'ai un peu calculé. J'ai complètement raté mes qualifs. Voilà, voilà, je les ai complètement ratés. Même façon... C'est des sections vachement dures, là. Parce qu'on est 29 pilotes. 28. Je suis 25e. Il y a que deux BMW. Il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup de Audi, beaucoup de Porsche. Ça va être chaud parce que voilà, on va essayer d'être propre, de faire des courses comme j'ai pu le faire avec la GT3 sur Zoldern, sur Watkins Glen. On va essayer de faire quelque chose de propre. Allez. On va faire le tour complet là. Bon, je vais essayer de rester dans la ligne verte. Hein. Alors, j'ai une petite période BMW en ce moment. Ouais, j'aime bien Assetto Corsa. Vous avez raison, hein, franchement. Ça n'a rien à voir avec la version PlayStation. Mais j'aime beaucoup. Donc là, on fait le petit tour de chauffe. Puis voilà. Bon, bah, de toute façon, nous, on va se retrouver pour le lancement de la course. Tout simplement. Ça va être le bordel, je le sens. Ça va être le bordel. Je le sens, je le sens, je le sens. Ou derrière, ça a tapé. Ça tape. Doucement la Porsche derrière. Car on the left. Stay on the left.
Les mecs, ils ont l'air on dirait des fous furieux. Mais hé! Hey. Heureusement que je suis sorti large. Hein. Ben, je sais que je suis lent, mais quand même quoi! Dans les commentaires parmi vous, quand ils ont vu le crash sur ma première course, ils ont dit tu vas voir après. Apparemment sur un site comme ça, c'est le cirque au niveau de du fair play. Même sur le serveur LFM alors. Bon, vous allez quand même dire, bah, mais pourquoi tu t'as pas défendu? Ils ont l'air vraiment sauvages, donc du coup, je préfère pas. Je préfère la jouer un peu plus intelligente. On est au début de la course, les laisser devant. Et s'ils se plantent, ils se plantent. Ouais. Bien, regarde, voilà. Tu vois? J'ai vraiment cru que la Porsche elle allait se rabattre sur moi. Allez, la BM. Bon bah je suis la première BM du coup. Parce qu'on est, on était que deux. Regarde, regarde, t'as vu le fou? Voilà, t'as vu?
tu as vu? Je mens pas, hein. Parce que là, je savais... Je me suis dit, je vais me mettre devant, je vais essayer de freiner, mais il n'allait pas freiner. Il a plongé à l'intérieur. Du coup, j'ai des tracks limites. Ça, ça me saoule. On est 15e. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a abandonné? On va 14. Rouge c'est silver et blanc c'est quoi? Ah je freine beaucoup trop tôt par rapport à eux. Mon setup il est pas fait pour les freinages, clairement. Je le laisse passer parce que ça sert à rien. Tu vois, je perds du temps à vouloir défendre alors qu'il va me passer, c'est sûr. Autant essayer de le suivre, de m'éloigner de cette derrière et pourquoi pas rattraper cette devant.
complètement raté là. Si je comprends bien, il y a trois rookies derrière moi, c'est ça? L'autre, en fait, j'essaye de freiner, c'est pour ça que je le loupe souvent. J'essaye de freiner, voir où est la limite, en fait. Après, mon setup, il est stable, hein. En lui-même, le setup, il ne fait pas peur. À la mi-course. Bon, ceux de devant, ils sont loin. Hein. Clairement. Oh, il y a une Maserati derrière. Ouais, dès que je tourne, elle a le cul qui part, mais elle se rattrape tout de suite.
Un top 10, ça serait bien. Je pense à la chicane, je devrais pas rester en 3 en vrai. Maserati me rattrape derrière. Il reste 12 minutes. Bon, ça passe pas. T'as quand même une masse rapée. Ah, je fais le con aussi, hein. Allez, 10 minutes. Qu'est-ce qu'il est beau ce circuit quand même. Ils ont des beaux circuits en Belgique, hein, quand même. Je le vois juste derrière.
Après, si vous êtes... Comme c'est la première... Je joue jamais à Assetto Corsa, j'ai jamais joué. Je l'avais testé sur PlayStation, comme ça, en vitesse. Voilà, je pars, ben voilà. Je fais une erreur. Alors, la classique va me croiser. Oh là là, voilà, je pars, ben voilà. Je fais l'erreur. Punaise. J'allais dire, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ah, fait chier. Il a bien joué. J'ai tout perdu avec cette erreur. C'est chiant. Et encore une, hein.
C'est trop de petites boulettes en fait. J'essaie trop de vouloir rattraper celle devant. Le Claston il est rapide. Hein. Je pense qu'il va rattraper la Maserati. La stat, est-ce qu'elle va tenter quelque chose? On va entamer le dernier tour. Il a fini. Ah, il devait passer au drive-thru. C'est le 11e. Il a 30 secondes. Oh, GG, hein. Franchement, bon, je sais pas quoi dire de plus, on gagne plusieurs positions, mais voilà, je suis lent, quoi. Le setup il est pas bon. Après, est-ce que c'est pas la BMW qui a un peu de mal sur cette piste? J'en sais rien, quoi, j'en sais strictement rien. Par contre, il y en a qui parlent, ils sont en train de parler, mais normalement j'ai vu sur LFM, sur la charte, interdiction d'utiliser le chat. Alors qu'est-ce que je peux dire de cette course? Course où, voilà, j'ai eu un peu de mal, j'ai eu un setup assez stable, on va pas dire le contraire. Il y a eu beaucoup d'erreurs, j'ai fait un bon départ, encore une fois. Ensuite, bah, je me suis fait avoir par le manque d'inattention, en fait, voilà, j'ai commencé à parler, etc. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de petites erreurs et c'est ça qui m'a coûté aussi quelques places, je pense, parce que sincèrement, je pense que la Maserati, elle serait revenue vraiment dans les deux derniers tours et je pense que la Aston derrière, elle aurait pu, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je gagne énormément.
de position, ça c'est le point positif. Maintenant, le point négatif, c'est le setup, quoi. Le setup, il est pas bon. Il est pas bon pour une course sprint. Il est bon pour une course longue, même pour une course longue. Hein. En vrai, il est trop stable. Donc, du coup, faut que je le retravaille. Et je vois ce que je peux faire, tout simplement. Je vais essayer de faire la course aussi sur LFM, la longue course de 45 minutes. Après, il y a des longues courses, mais j'ai pas accès encore à ces courses-là. Mais de 45 minutes avec un petit stop. Donc, je vais voir s'il y a possibilité de faire une stratégie ou quoi. Bref, je vais voir. Demain, on est mercredi, je vais faire du LMU. Je ferai pas de Gran Turismo cette semaine, je vous l'ai dit. Parce que, voilà quoi. Tout simplement, les courses ne m'intéressent pas. Et puis voilà. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si cette vidéo vous plaît. Si vous voulez plus de contenu sur Assetto Corsa. Merci à tous. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.